Les ingénieurs danois ont mis au point l'embryoscope, un incubateur nouvelle génération. Plus besoin de sortir les cellules de leur milieu protégé pour les photographier. C'est une alliance de robotisation d'une part et de miniaturisation. Alors vous avez ici la chambre de culture des embryons qui est une chambre de volume extrêmement réduit et vous avez un bras robotisé, tout ça dans des conditions d'atmosphère, d'humidité, de température extrêmement précises, qui va aller déposer très délicatement chacun des embryons sur le microscope qui est situé juste ici derrière. Et c'est ce microscope qui va prendre toutes les 15 minutes une dizaine de photos de chaque embryon. Et ça, 24 heures sur 24 pendant toute la durée où les embryons restent à l'intérieur du système. Il s'agit d'un logiciel permettant de reconstituer des embryons en trois dimensions. Les médecins peuvent alors voir l'embryon sous toutes ses coutures et y repérer le moindre défaut. Le 3D, ça permet donc une meilleure évaluation, donc un meilleur choix des embryons que je considère comme utiles. Et c'est là que la nouvelle technologie mise au point par le professeur Amama prend tout son sens. Car si on choisit le meilleur embryon grâce à la lecture en 3D, on multiplie par deux les chances de grossesse. Alors en quoi consiste cette innovation? Grâce à un scanner, une sorte de microscope ultra perfectionné, on prend des photos de l'embryon sous tous les angles. Un véritable exploit, car à ce stade, l'embryon est invisible à l'œil nu et ne mesure que 150 micromètres. Puis, un logiciel informatique reproduit cet embryon en trois dimensions. Il est alors grossi plus de 400 fois. L'exemple même de cet embryon qu'on a imprimé en 3D pour démontrer la preuve des concepts. Ça nous permet de compter le nombre de cellules et voir le volume des cellules. Ainsi, ça nous permet d'évaluer l'épaisseur de la coquille qui entoure cet embryon, parce que cette coquille a pour but de protéger l'embryon jusqu'à son arrivée dans l'utérus.